Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais extrêmement bien, je vais nickel. Aujourd'hui, petite vidéo, pourquoi, tout simplement, pour le casier Fortnite. Voilà, c'est simple, c'est basique. On me l'a pas demandé, voilà, je voulais le faire. Je me suis dit, écoute, on va balancer plusieurs petits concepts de vidéos comme ça, petit par petit, pour histoire de garder un rythme. Car je vous avoue, qu'est-ce que vous voulez en fait, j'ai pas trop de concepts, voilà. La première fois, je suis autant actif et je vous avoue, au niveau des concepts, ça commence déjà à bloquer. J'ai sorti que 4 vidéos, hein, vraiment, 4. Hein. Et encore, la première que j'ai sortie, c'était juste un trailer pour ma map, hein, et tout. L'autre, après, j'ai fait une passe-partout, un top 1 sur Fortnite avec une arme. Bon, j'ai utilisé le truc SNK, mais bon, on s'en fiche. Et une autre vidéo, je crois, mais j'en suis pas sûr. C'est un peu compliqué, je referai bien une vidéo FAQ, mais bon, on est qu'en début de l'année 2023. Donc on va pas balancer la FAQ maintenant, tu vois. On va la garder pour la fin. Si vous avez des petits concepts que vous voulez que je fasse ou que je tente, n'hésitez pas tout simplement. Et je les ferai avec un grand plaisir. Voilà. Parce que le but, c'est de me faire plaisir en faisant les concepts, mais surtout de vous faire plaisir. Et c'est ça mon objectif principal. Donc n'hésitez pas à me donner des petites idées si vous avez envie. Du coup, on va commencer par tout simplement la petite présentation du casier. Donc déjà, on va commencer par la petite bannière d'icône. T'as pas la bannière d'icône canard, c'est que t'es pas un vrai. Voilà, on commence maintenant. Voilà, on commence comme ça, cash, direct. Donc là, les petites musiques. J'utilise pas des musiques, mettez sur pause si vous voulez regarder. Si je vais trop vite, 10 secondes en arrière. Bref, vous choisissez. Personnellement, moi je trouve que musique dans le salon, j'aime pas. Voilà, ça prend déjà les oreilles, déjà qu'il y a tes potes qui sont dans le salon avec toi, qui te cassent les oreilles. Tu leur dis nanana, toi, tais-toi, toi, tais-toi, oh toi, tu continues comme ça, je te bouffe. Voilà, bref. Du coup, voilà, bref. On va pas parler plus loin sur les détails. Là, petit écran de chargement, donc j'en utilise pas beaucoup. J'en mettrai en favori. Je sais pas si on met en favori et qu'après qu'on met en aléatoire, il n'y a que les favoris qui défilent. Si oui, ben, je ferai ça. Mais j'ai tendance à mettre souvent... celui-là, parce que c'est mon mode de jeu préféré qui est sorti vraiment. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, parce que forcément, je kiffe les Marvel. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause si vous voulez regarder ou à remettre 10 secondes en arrière. Bref. Donc, on va pas s'externiser trop sur les écrans de chargement, surtout ce que vous kiffez. Principalement, je pense, c'est attendre, voir les skins. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. On peut voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a combien? Il y en a 247. Ok, d'accord, le chômeur. Pardon. J'ai oublié comment ça s'appelle ce. Merde. Bref, petit camo, voilà, camouflage. On peut voir que j'ai mis le même partout. Cœur flottant, forcément. I love you. Je sais pas pourquoi j'ai fait un bisou, c'était complètement nul. Et j'utilise aussi, du coup, le code binaire, donc le Matrix, qui est plutôt sympa, mais pas souvent. Du coup, oh, je devrais utiliser lui. C'est vert et violet, c'est mes couleurs préférées. Bon, bref, on continue comme ça. N'hésitez pas à mettre sur pause. Les camos, pareil, c'est pas quelque chose que je vais en mettre. Je vais pas en mettre un sur chaque arme, tu vois. Je vais pas me faire chier. Je vais mettre directement le même sur tous. Comme ça, c'est réglé. Je crois que je vous l'ai pas dit encore une fois. Mais bon, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas le temps. Si vous voyez pas, ça c'est les camos, comment dire, les camos d'arène. Mais bon, hop, voilà, plutôt tranquille, voilà, sympathique. On kiffe un peu ça, nous, les camos, c'est faux, pas du tout. Ça, voilà les danses que je mets. Bon, celle-là, je la mets pas, je l'avais mis juste spécialement, mais c'est pas l'une de mes préférées, vraiment, je la déteste. J'utilise de là à là, voilà, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Libératrice, c'est ma danse préférée, vraiment, c'est pas une blague. On va commencer par là, au total j'en ai 611. 611 c'est plutôt pas mal, on va commencer par les emotes, forcément. On va faire ceci pour éviter d'autres trucs. Donc on peut voir j'ai pas mal de danses série icônes. Voilà. Bon là vous voyez que ça pour le moment, mais attendez, normalement j'en ai clairement plus. N'hésitez pas à mettre sur pause. Les danses c'est quelque chose que j'achète pas forcément. Bon les danses série icônes comme vous pouvez le voir j'en ai vraiment acheté pas mal. Il m'en manque 15. 14 si on compte pas celle de Travis Scott, mais bon. Les dents, c'est pas forcément ce que j'achète le plus. Ah, voilà, c'est crabe. C'était crabe que j'avais à la place du floss. Mais bon.
Du coup, voilà. Donc c'est plutôt sympa, encore du Sericone. Voilà, les danses, après tout, c'est quelque chose qu'on exploitait vraiment au tout début du jeu et que maintenant on n'exploite vraiment plus du tout. Du coup, voilà, on peut voir, j'ai Tagadahu de sauver le monde. Donc vraiment, voilà. Et j'ai sauvé le monde d'ailleurs, pour ceux qui poseraient la question. Ensuite, on passe aux traînées. Les traînées, j'utilise toujours celle-là, vraiment, depuis qu'elle est sortie. C'est pour botarper, hein, vraiment. Ça, c'est un boulon. Oh, pardon, on s'éloigne un peu du sujet, j'ai l'impression. C'est pas ça qu'on avait en tête. Waouh. Enfin, pardon, 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 pardon. Focus, hein. On reste concentré sur la vidéo. Du coup, les traînées, on parlait des traînées. Du coup, les petites traînées, je n'utilise pas forcément. Elle est dégueulasse, celle-là. Mais bon, comme Coco. Salut mon pote. Et du coup, voilà. Donc, c'est des petites traînées que j'utilise pas en fait forcément. Voilà. Celle-là, pareil, j'utilise de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'elle est verte et violette. Mais sinon, j'utilise clairement elle, vraiment, on la met en favori. J'utilise presque H, bah j'utilise tout le temps en fait, depuis qu'elle est sortie. Elle est sortie quand? Elle est sortie du chapitre 2, saison 7, donc voilà, j'utilise depuis chapitre 2, saison 7. Pourquoi? Parce qu'elle est colorée et voilà, je la trouve stylée. Après les autres, je les ai tentées, mais voilà, c'est pas vraiment celle-là pour moi. Elle est incroyable, en plus elle passe super bien avec le skin Loser Free. Du coup, voilà. Les petits sacs, on peut voir que j'en mets pas du tout. Je vais vous montrer un peu ce que je mets, mais vraiment les sacs, c'est pas quelque chose que je kiffe. Donc voilà, les katanas de temps en temps, c'est tout. La tête de mon grand-père. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Voilà, c'est très important, c'est faux, c'est pas la tête de mon grand-père, je vous ai trop eu. Pardon, complètement nul. Du coup, voilà, petit katana encore. Donc vraiment, je mets les katanas parce que ça colle au dos. Je préfère les sacs qui collent au dos. Mais du coup, voilà. Ça, c'est un sac pareil que je mets pas mal. Le gant, donc c'était un drop sur Twitch. Il y a plusieurs styles. Il y a tout cela. Hop, on l'a en vert aussi, etc. Vraiment trop stylé. On va dire que j'apprécie beaucoup. Même, je crois que c'est le seul sac que j'ai porté le plus longtemps. Le sac cœur, voilà, c'est pareil que je kiffe aussi. Que je porte, on va dire quand même. Quand je prends un sac à dos, pareil, je le porte, tu vois. Ça dépend. Le petit sac Guf, Guf le gros, pardon, pardon, wow, c'est un tic, j'étais obligé, c'est sorti tout seul, c'est pas ma faute, désolé Guf, désolé gros Guf, pardon, pas, waouh. Au mieux je suis pas grossophobe. Du coup, voilà, le petit Guf, très important de l'avoir dans son casier, même si on l'utilise pas, j'utilise de temps en temps, mais bon, juste pour dire que j'ai Guf le gros. Et du coup, le petit skin canard, forcément, si t'es un vrai, t'as le canard. Moi j'ai fait le canard, je sais absolument pas. Petit sac à dos FNCS, nul à chier, vraiment, oh, pas se mentir. Voilà. Petit sac à dos SOS Fantôme, ça fait toujours plaisir, on est à la ref, mais voilà, il est pas beau en hologramme. Qui porte ceci en hologramme? Vraiment. On va passer au planeur du coup. Les planeurs, c'est quelque chose que j'exploite énormément dans le jeu. Parce que bah forcément, t'es obligé, quand tu sautes de l'avion, tu dois avoir un planeur, sinon. en fait, sinon tu peux pas en fait. C'est logique. Allez, yes, après avoir démontré l'histoire de Fortnite, on peut voir, j'ai les planeurs, les trois planeurs d'Ariana Grande, vraiment, je vais vous montrer vite fait en favori. Je kiffe jouer les parapluies surtout. Donc on peut voir qu'ils sont ici. J'aime beaucoup jouer celui-ci, fondateur. Pourquoi? Parce qu'il est classique, sombre. Le échappé, pareil, Stylax. Le petit parapluie Star Wars. Et c'est à peu près tout ce que j'utilise comme parapluie. Les autres, je ne les utilise pas spécialement. Parce que voilà quoi. On va dire que si Adamant peut-être lui. Celui-là, mais voilà. Mais après les autres, non, pas forcément. Du coup, voilà les petits panneaux. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez regarder. Celui-là, je l'utilisais énormément malgré que c'est pas un parapluie. Je le kiffe. Voilà. Vraiment depuis qu'il est sorti. Pareil, Marvel, forcément, oblige. Un gros classique. J'avais le joué quand j'étais plus petit. J'avais le joué ce vaisseau-là. Moi, je l'ai plus. Mais du coup, voilà. On bat les couilles. Hein. Rien à foutre. Du coup après j'utilise pas d'autres vraiment. Ah si l'araignée, voilà, bah j'allais dire l'araignée, mais non, c'est une chauve-souris, je suis plutôt un peu con. Du coup voilà, celui-là qui est aussi très stylé je trouve. Celui-là qui est une grosse merde, voilà. Voilà, on l'a eu gratuit, je m'attendais à quelque chose de stylé, mais non. Le moto de temps en temps, mais ça fait un moment que j'ai pas joué, mais j'aimais bien le jouer avant. Et sinon après c'est tout. Voilà, c'est tout.
je joue pas les autres. Pour moi, il n'y a pas. Voilà. Le planeur, je mets juste un plutôt qui est stylé, rapide, et après plus un. On passe au niveau des pioches. Donc là, on va passer sur un gros level. Donc, je vais pas vous dire ce que je joue principalement. Mais du coup, je vous montre comme ça vite fait. Et après, on fera un petit tour pour que je vous montre lesquels je joue le plus. N'hésite. Beau, je tiens à préciser, je la joue de temps en temps. Mais rarement, l'animation, je la trouve un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle est lente, la pioche à casser. Mais ça, c'est juste une impression, je pense. Et du coup, voilà. Petit sceptre de hockey aussi que j'aimais bien jouer un petit moment, mais que j'ai arrêté. Pareil, je la trouve un peu bizarre. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir plus en détail les pioches, etc. Moi, je vous montre vraiment comme ça. Jigong Bang, vraiment ma préférée. C'est vraiment, c'est ma favorite. C'est, pour moi, c'est la top 1 des pioches. Et voilà, c'est un grand amour cette pioche chez moi. Parce que notamment, j'ai l'impression elle ressemble au bâton dans Le Roi Singe avec Jackie Chan, qui est un film. Peut-être pour ça que je la kiffe un peu, tu vois. Pareil, cette pioche-là, je me suis dit, cool, un pied de biche. Sauf que, bah non, c'est une merde. C'est une daube, l'animation, quand tu casses, elle est trop spéciale et j'aime pas. Trop spécial, même trop spécial. Ouais, trop spécial. Du coup, voilà, on peut voir, hop, les petites pioches. Sauver le monde, qui est les deux là. Hop, une là, une là. Une là. Là. Là, là. Là. Voilà, bon, bref, il y en a pas mal. Bon. Du coup, voilà, au niveau des pioches, c'est tout. En favori, c'est celle que j'utilise. On va retirer celle-là, vieille branche. Mais du coup, voilà, ça, en favori, c'est ce que j'utilise le plus des pioches. Et après, c'est tout. Mais on passe à l'étape la plus importante, qui est du coup maintenant les skins. Les skins, je change très peu. On peut voir que j'en ai quand même pas mal de DC Comics. Il me manque juste Black Adam. Mais du coup, là, j'avais arrêté de mettre de l'argent dans le jeu parce que je jouais plus au jeu. Mais bon, du coup, j'en ai pas remis. Ça, j'avais pris les BD pour exactement avoir le code. Et au final, bah, ils l'ont sorti en boutique 3 mois, 4 mois après, je crois. Donc ça servait à rien que je prenne un VPN parce que j'ai pris un VPN. Et après, j'ai acheté un abonnement pour avoir les BD. Tu m'expliques un peu le bail. Donc, tant qu'à faire, autant que je les achetais en boutique, ça m'aurait coûté clairement moins cher. Mais bon, voilà. Un peu de givré, un peu d'iconique, un peu de lave, un peu de gaming là, c'est série légende du gaming. Ça, j'avais acheté le jeu Assassin's Creed Valhalla. Voilà, j'ai juste fait la moitié du jeu et du coup voilà. Mais il était pas mal. Skin plutôt stylé, je l'avais acheté juste pour l'avoir en avant-première, juste pour flex. Et alors, on a un ego surdimensionné et pourquoi pas. Pareil, ça c'est un de mes skins favoris. Vraiment trop stylé. Du coup voilà, vous verrez, je joue pas énormément. Là, notamment, il y a Black Widow que je joue de temps en temps, mais vraiment très rare. Là, hop, ça, j'étais obligé. Hop, il dit franchement. Ouais, j'ai dit franchement. Le petit surfeur d'argent, vous savez pourquoi? Par rapport à ce qu'il est tout nu. Un peu bizarre tout ça, un peu bizarre. Du coup voilà, après il n'y a rien d'autre d'impressionnant. Les skins sauver le monde, forcément j'ai sauvé le monde. Ah, le petit skin super héros qui a mes couleurs, vert et violet. Mais bon, peut-être un jour on se permettra. Les petits skins Xbox, je pense que vous les avez vus, je sais pas. N'hésitez pas à mettre sur pause, bien évidemment je le répéterai jamais assez. Ou de mettre 10 secondes en arrière. Ce pack là j'ai juste acheté pour un skin. Skin Balenciaga, hop, juste ici. Du coup voilà, on peut dire que voilà. Ça aussi, c'est un skin que j'aime bien jouer, mais bon, on reviendra sur les skins que j'aime bien jouer un petit peu plus tard. Hop, pareil, hop, peste. Pourquoi en fait, ça aussi, hop, Balenciaga, que celui-là, je kiffe, je le veux vraiment. Je trouve trop stylé. Le petit Prunel, pareil, que j'aime bien jouer. Hop, j'ai acheté le pack juste pour ce skin-là. Vraiment, il est trop stylé. Zoé, je crois. Ouais, Zoé Tropical. On va l'appeler Zoé Tropical. Hein. Et du coup, voilà, ouais. Donc vraiment stylé, et là pareil, l'un de mes skins phares, celui-là, il est trop bien. Hop, on peut voir, j'ai deux packs Balenciaga, normalement il y a Chevalier machin, je sais plus quoi, mais je pense qu'il a. Ça, mon premier skin, vraiment. Skin vraiment fan, je suis fan de celui-là, notamment parce qu'il est vert et violet. Voilà, il était fait pour moi ce skin-là, vraiment, il est trop stylé. Après, voilà, on peut voir qu'il y a pas mal d'autres skins, celui-là.
J'ai acheté, c'est un banger ce skin, vraiment. Il est trop stylé, le seul problème, c'est que la robe ne suit pas, elle reste statique, donc en jeu c'est complètement dégueulasse. C'est pour ça que j'ai arrêté de le jouer. Mais sinon, il est trop stylé. Regardez, c'est des clous qui sortent de sa tête, franchement. Qui aimerait pas avoir des clous qui sortent de sa tête? Eh, franchement, c'est... Voilà quoi. Petit skin FNCS, petit skin World Cup, petit skin FNCS. Normalement, hop, voilà, petit skin FNCS. Et voilà, on peut voir que j'ai pas mal de choses. Notamment ceux-là qui sont des récents skins. Voilà. Je kiffe plutôt. J'ai 324 skins au total. Et ceci, c'est mes favoris que je joue le plus. Voilà. Donc on peut voir qu'il y en a pas mal, mais... voilà. Un beau paquet, donc il y en a, j'en ai 324. Je joue pratiquement que ça. Et encore... que ça, du Balvin j'ai porté quoi, deux fois, c'est tout, et après plus jamais. Mais voilà, si je devrais choisir entre un ces skins à jouer, ce serait cela. On va peut-être dégager J Balvin. Ah bah non, ouais, je l'ai mis là parce qu'en fait je kiffe comme ça, vraiment il est trop stylé comme ça. Je vous ai dit, je kiffe les skins colorés, les fruits, etc. Bref, et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est la fin pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, à mettre le petit code créateur SDF dans la boutique, ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit plus, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose. Mettez-le juste pour le plaisir, ça montre votre soutien. Sur ce, c'est la fin. Moi, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.